Alors, bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin. C'est la maman. La maman de l'heure, justement. Hé! Celle qu'on ne présente plus. Celle qui tétanisa. Celle qui mettra les vieilles chouettes au pas. Maman, le goût de ça. C'est moi. Je peux même me vanter. Le goût de ça. Mais il y a les commentaires qui viennent souvent sur mon mur que je vois dans ma crème des crèmes. De ces commentaires, oh, pas là. Tu mets ton post parce que tu as une demande accrue. Vous connaissez le nombre de personnes qui m'appellent pour la monétisation. Vous connaissez le nombre de personnes que je réponds, oh, alléluia, pour quelques questions. Pourquoi quand je fais un bouquet, que je vais donner les explications de A à Z de la monétisation, ça vous dérange? Et je mets l'argent pour monétiser, ça vous dérange en quoi? Vous étiez avec moi que je suis parti prendre ma formation pour faire ma monétisation comme il faut. Ça, c'est la première question. Vous me prenez quoi? Quand je me suis inscrit pour faire ma monétisation, quand j'ai fait toutes mes recherches pour avoir tous les tenants et les aboutissants, vous me prenez quoi? Vous connaissez combien de personnes m'écrivent chaque jour, m'appellent pour devenir blogueuse même? Vous connaissez combien? C'est pas parce qu'on est sur les réseaux, on est mélangé. C'est-à-dire que les vieilles chouettes ont décidé de salir ce qui est propre et vous avez embarqué dans cette saleté. Sauf moi qui me suis tenu debout et dit qu'on ne me salit pas. On ne me salit pas, je suis vivant. Mon cadavre, vous allez salir. Mais moi, là, je réponds. Et dit que je meurs sur ses dents. Je vous dis ça, oh, hein. Vous buvez le champagne, il n'y a pas de pleurs. On dit que non, la mère, elle meurt comme ça, là, non. Elle dort. Oui, c'est comme ça. Regardez-moi ça. Vous connaissez le nombre de personnes qui me contactent every single day a week pour la monétisation. Vous connaissez? Vous connaissez? Vous connaissez le nombre de personnes qui m'écrit la MBO, oh machin, monétisation, ceci, ça, vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc quand vous ne connaissez pas, vous fermez vos clapets. Quand ils me lèvent pour mettre un outil de communication, même si je le monétise, c'est mes affaires, c'est mon temps, c'est mon énergie, ça vous regarde pas. Ne payez pas. Ne venez pas. Je vous ai prouvé sur les réseaux que je n'ai pas besoin de beaucoup de gens pour exister. C'est la seule femme qui a les maigres vues, qui est une blogueuse chevronnée, suivie jusqu'à la présidence et qui fait lentement et sûrement ses pas. Mais tant me reconnaît. Depuis l'existence du live, j'ai déjà eu mon salaire. Vous avez compris, non? Je salue ma fille Ulrich, ça fait longtemps, de Toronto. Mouf, domina, fomatina. Maman collègue, je te salue. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand ils sont en direct, ils ne voient pas les commentaires, bizarrement. Ça fait ça depuis un certain temps. Bon, je vais démarrer là. Je m'en vais au travail. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il ne faut pas dormir ton esprit et croire que ou c'est qui va t'aider ou le gouvernement. Quoi. Va d'abord chercher même un peu. C'est ça que je salue toutes les femmes, tous les hommes, toutes les personnes qui sortent, qui vont chercher un petit peu pour venir compléter, même si le gouvernement donne le reste. Rendez-vous utile à la société. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, quittez sur mes choses. Quand même ma chose, même si j'ai une personne inscrite, je traite cette personne avec beaucoup d'amour. Celles qui ont déjà pris les formations chez moi savent. Oui. Voilà. Et c'est monétisé par Meta. Ça fait partie de ma société de Meta. Je suis une employée de Meta. Ça ne vous regarde pas. Donc, fermez vos clapets de merde. Une est venue m'écrire un gros post, un gros commentaire. Elle m'a bloqué, ma chérie. Tu n'auras plus la chance d'écrire sur le mur de la plus bio de sa génération. La seule femme à 51 ans, terriblement mariée, mère de deux adorables filles, retourne à l'université et n'est pas pour se vanter. Ne prouve pas que j'ai. Et qui bat de loin toutes ces vieilles chouettes tapineuses là. Celles qui tapinent dans toutes les villes de Paris. Je les bats aller et retour final. C'est même pas un débat. Je dis bien, ce n'est même pas un débat. On nous met même sur une table ronde, on va répondre sa propre. Ça, vous le savez. Ce n'est même pas quelque chose que on a besoin de faire un dessin pour ça. Capige. Maintenant, la dame vient me pondre, j'ai à bloquer un long poste du genre. Oui, un fils de la nation est mort et vous venez mettre vos formations payantes. Tomo,
toi la femme, la femme, mon cercle, mon soin. Tu as compris, non, maman? Regardez-moi ça. Elle me dit, mais un fils de la nation est mort dans des conditions. Qu'est-ce que j'en sais? Tu sais combien de personnes sont mortes dans ma famille? Moi, je ne fais pas la politique ici. Je vous dis que et Paul Biya, et Kamto, et Kabay, et Lady Bill, et Madame Kivo, député, tous ces pète-pète-là, je ne suis pas dedans. Je ne gère pas ça. Tous ces mélangements de... Je ne gère pas ça. Même pour le Canada, qui m'a tout donné. C'est-à-dire que qui m'a tout donné, je ne suis pas dedans. Je pourrais même poser ma candidature à la mairie de mon quartier. Ça ne m'intéresse pas. Tu as compris, non? On parle de ce qu'on a les arguments et qu'on sait qu'on va développer. Et que même si on t'amène devant, tu vas aller parler. On peut faire une gaffe, tu me dis, un fils de la nation est mort dans des conditions. Vous ne parlez pas de ça. Fous-moi. J'ai dit, fous-moi. J'ai parlé de la vie du fils de la nation pour que ça reste la mort. Tu sais pas que je suis seulement pour le Japon. Tu étais là quand on a décidé de pourrir ma vie. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là quand on a décidé de pourrir ma vie. Tu as oublié. Tu as oublié quand on a décidé de pourrir ma vie. Tu étais là. On a décidé de pourrir ma vie sur les réseaux sociaux. Une femme digne qui a tendu la main à une vieille chouette rococo pour l'aider à s'élever avec son mari et ses enfants, coller son image. On a décidé de pourrir ma vie. Tu as dit quoi? Je n'étais pas une fille de la nation. Tomo, fais-moi. Tu as un kelo, un tsekelo. Je me brûle. A chez moi, vous s'en soit chum, non? Elle me dit, mais un fils de la nation, mouf! Va mettre mon nom sur le registre de ceux qui n'ont pas parlé. Puis on me fait ce qu'on va me faire. Je suis brûle. Je connais même que son nom, c'est que je le connaissais même quand il vivait. Regardez-moi ça. Je parle du Congo, ça. Et des gens qui ont décidé de me donner la parole. C'est eux qui m'ont mis ici, là. Ils ont décidé que je dois que parler. Je vais parler, sauter. Mais ne parle pas de ce qu'ils ne connaissent pas. Tu ne sais pas ça. Tu as oublié. Tu as oublié. Je connais la monétisation. Je connais le mariage. Je suis terriblement mariée. Je compte le demeurer. J'y travaille. Je vais outiller les autres à faire comme moi. Ça, je connais. Je parle de ça. Je vais aller parler quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais même pas le nom. Je vais commencer. Il est arrivé. On l'a coupé. On l'a tué. On l'a trouvé 4 jours. On est monté. On est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne prenez pas les sujets que vous n'êtes pas sûr de développer. Moi, ne parle pas pour parler. Hein. Regardez-moi la sapac là. Mais vive les nommés. Mais dis donc. Parce que je cherche les vues, je cherche les abonnés. Je suis la seule femme qui a les maigres vieux qui fait le chiffre. J'ai dit 4 chiffres depuis une année. Tu as dit que toute l'année, là, j'ai commencé depuis septembre de l'année passée. J'ai dit 4 chiffres. La société bat son plein, la société de Facebook. Merde. Une femme qui a une société incorporée. Vous êtes malade. Par qui? C'est mon bureau ici. C'est mon bureau. J'ai dit 4 chiffres qui avaient atteint le 5e. Vous êtes où? Vous êtes, ce n'est pas vous qui dites que maigre vie, vous ne vous posez pas les questions. Alors copiez par l'exemple. Voilà. Et quand mon savoir, je vais donner ça à mes semblables qui veulent connaître, je mets le poste. Ceux qui veulent s'inscrire, s'inscrivent. Ceux qui ne veulent pas, ils circulent. Tu vois? Si les vieilles chouettes sont toi en train de tapiner, gérer leur maison close avec Proxo Pro Max, tous les Proxo Pro Max là, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Chacun son domaine. Moi, je suis là pour la diaspora positive, pour outiller les gens, pour éveiller leur conscience, pour leur donner. Mais attends, tu vas éteindre ça avec quoi, Joe? Tu peux fermer ma bouche ici, là? Tu peux? Ou Fidgui? Regardez-moi ça. Un dotil joueur vient me pondre un gros paragraphe, un fils de la nation et moi. Tu n'as pas vu que les grandes blogueuses, comme Aïcha, l'oiseau sans aile, là, Aïcha Kamoise, a dit qu'elle veut voir ses enfants grandir, elle a glissé sur ça. Ceux qui prennent les postes, les vidéos, ils ont les 5000 personnes en ligne là. C'est pas avec eux que vous nous insultez. Mais nous, on fait le chiffre. Est-ce qu'on a besoin de 5000? On fait le chiffre, c'est tout. C'est ça qui est important. À la fin d'année, tout le monde, hein, à la fin du mois, si chacun peut sucrer son bec, c'est correct. Moi, pas. S'il fallait seulement regarder vos injustes, que je suis plus sur le nez. C'est que je suis, c'est ça. Mais comme je suis une dieu à cul, vous allez faire comment? Il fallait que regardez vos injures, ce que moi, ils ne me connectent plus. Bah, je suis celle qui a les maigres vues, que vous avez lavé ici. Vous en allez là-bas, chèvre, pour le savouf, machin, celle-ci, c'est là qui te suit, faut le calme. S'il fallait que je vous écoute, ce que je suis plus là, j'allais faire comment du bon salaire que mes temps me donnent. Être téméraire et père, puisque je vais donner une formation sur le, comment dire, sur le mindset, l'endurance, le développement, c'est-à-dire que le cran. Oui, le cran. Yeah, je vais donner une formation dessus. Parce que les gens s'amusent avec leur vie. Mon ami,
Je donne une formation dessus. Je suis la preuve vivante que je tiens mon bout de A à Z jusqu'à. Je n'écoute personne. Personne ne téléphone mon téléphone, même les autorités. Pour dire que la mère, oh, tellement je suis cohérente. Quand on me parle souvent que maman, tu traites les gens là. Oui, je les traite. Je suis derrière. Quand elle marche, elle fait comme ça. Est-ce que la vieille mère là est là? Oui, Nami. 51 ans bien connu. Ça ne chauffe pas. Né à l'hôpital de Baranté. 13 octobre 1971. C'est même pas que mon nombril n'a enterré à Baranté. Oui. Niamda qui se forme comme tout. Les journalistes, moi, tu connais les gens qui sont morts dans ma famille. Tu connais combien de gens je pleure? Tu connais ça? Je suis fou. Elle va dire ma soeur, moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je le connaissais. Je connais que c'est quelle histoire. Vous écrivez 10 000 choses sur la mort de quelqu'un. Moi, il va aller parler qu'elle est laissée. Si demain j'arrive aussi, on me prend, on me séquestre parce que j'ai parlé. Je vais dire que j'ai parlé quoi sur ça quand je n'ai même pas les arguments. Il faut arrêter. Il m'a mené pas. Quand il y a un homme, il se bat un brou. Quand il y a un homme, il se bat un brou. Faisant leur maman, elle avait fait de la lumière. Quand il y a un homme, il se bat un brou. Quand il y a un homme, je m'en bouche là. On va parler de ci, on va parler de ça. Donc c'est moi que vous attendez pour venir vous parler. Maman, fermez vos comptes. Je parle et quiconque. Je dis et Paul Bia, et Kamto, et Kabayele, et Dibi, et qui est machin. Tu vas les dames. M'en fous. Celui qui reste, celui qui part pas. Ce n'est pas mes affaires. Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresserait jamais. Aïcha Kamoua a dit qu'elle veut voir ses enfants grandir. Elle parle le Congo ça. Moi, elle parle de ça. Elle dit que moi, j'ai les gens qui ont décidé de m'amener en enfer sur les réseaux sociaux. Je suis sur eux, Balata. C'est-à-dire que hey, moi là, merde, quand vous vous tournez comme ça, regardez si je ne suis pas là. Dès qu'ils font tchac, une petite faille, je dépose. Propre. Ça là, c'est mon premier métier principal. C'est mon blog même. Voilà. Vous avez compris, non? Voilà. Vous allez me faire quoi? Regardez-moi ça. Femme qui a compris mes temps, mon frère. Vous parlez de quoi? Demandez aux gens qui ont pris la formation chez moi s'ils ne sont pas satisfaits. Demandez au nombre des gens qui m'appellent pour les questions. Ceci, cela. Madame Mébio, cela, ceci. Qu'elle donne une formation, je regroupe tout ça, je l'ai dit une fois, on quitte ça. C'est quoi ton problème? Vous n'êtes pas avant-gardiste? Vous êtes seulement né comme ça, vous avez tout un outil en main, vous n'arrivez pas à exploiter. Vous pensez toi avoir le Kouaitou qui est périmé? Mais organisez-vous. Mamouche Kassou, le Baoba, a dit ça dernièrement. On vous donne tout ce qu'il faut, vous avez les vues, vous avez les abonnés, vous avez les ceci, vous avez tout, mais vous n'êtes pas capable. Vous voyez alors comment vous êtes des tarés? Vous voyez? Vous voyez comment vous ne pouvez pas? Mais prenez même des community managers, ils vous aident. Vous les payez. Au lieu de faire boire vos tables, vos pages par des gens qui prennent 30% sur votre revenu. Moi, tout mon revenu vient dans ma poche de A à Z. Je dis de A à Z. Vous avez compris? J'ai payé personne pour me monétiser. Les gens sont debout, ils font les directs, c'est eux qui vont faire les ceci. Ils ont payé les gens pour se monétiser. Bon, Maé, on les a frappés. Bon, Maé, parlez à qui? Une femme qui ne prend pas le chapeau pour booster ses pages. Une femme que Zouk n'a maintenant aucun saut qu'il a mis sur sa page. Vous avez tout fait pour faire tomber ma page, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué en bloc. Quand vous vous levez, vous êtes même 15 ou 25 pour que ça fasse le 3, ça ne donne pas. Vous êtes bloqué. Je n'ai que la crème qui me suit. Les gens qui ont leur vrai profil. Tu vois un nom, elle s'appelle Wanji Ernestine Eveline. C'est son nom et c'est sa photo. Elle commente. Elle n'est pas en train d'insulter les gens. Mais comment vous connaissez, vous allez inbox les trouver. Pourquoi tu commentes? Pourquoi tu vas se lever de celle-là? Pourquoi? Depuis que vous avez fait ça, ça a donné quoi? Je ne fais qu'avancer en puissance. Je monte en puissance. Vous ne m'avez pas vu venir. Surveillez mon mur. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Ce n'est pas les Bakwa Jonah. C'est vérité vraie de chez vrai. Regardez-moi ça. Ma bande de moucherons. Ils vont vivre. Vous vous perdez encore. Vos patrons ont déposé les armes. Elles se sont avouées vaincues. Vous acceptez mal ton forfait. C'est comme ça. Elles ne me gèrent même plus. Je dis numéro 1, numéro 10, numéro 9, les deux tapineuses de tous les petits villages de Paris, les petits quartiers de France. Là. Je suis fou. Elles ne tous même plus. Ma putanas, Dieu. Parlez à qui? Un duo de putanas. Parlez à qui? On a la même chose. Une femme qui est bien servie, qui dort bien. Parlez de quoi? Regardez-moi ça. Mon dos petit chou me dit donc bon chou je voulais nous on me dit que je suis mon posant à cause de ça
suis sûre que je 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 suis sûre que même Vengari, le chef qui avait refusé l'esclavage, le seul chef intelligent, parlait de quoi? Hein? Le village est intelligent. Le village qui a refusé d'être soumis, parlait à qui? Même Vengari, Sornoué, Sornoué, mon Krum Tchessoré, quand on fait un don, on arrive sur moi. Et toi, tu tournes ici pour t'arrêter ou quoi? Je dis, avance. Mon Krum Tchessoré, 1, 2, 3, c'est moi. Parlait de quoi? 1, 2, 3, c'est moi. Sornoué. Regarde, les loges puissantes de l'Ouest, les sérieux, regardez-moi ça. Tout le monde doit être chaud, même vivre, je ne me mets pas, je me dis donc. On vous a dit que j'ai besoin de vous. You now. Comment va Ndemanou? You now, Fleur de Lille. You now. Fleur de Lille, on va voir si monsieur. You now. Ça patine. You now, imagine I can come, you now. La seule femme qui s'adresse à ses adversaires avec leur nom. Chauffe pas, on part devant, je vais avoir les arguments. Oh, je vais développer l'affaire là, ça dit que même le juge va me prendre pour être son adjoint. Pour être dans le tribunal, pour développer les choses. Vous parlez de quoi? Une bande de forcenés. Ouais, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as appris ça? Pourquoi tu m'as donné la sagesse? Oh, pourquoi tu m'as donné d'être capable de... Hein, voilà. Oh, Seigneur, pourquoi? Donc, aussi, de manger. C'est trop de sagesse. Mais tourne aussi là-bas devant. On sait comment est-ce toi? Tu as peur de ta voiture. Quand vous achetez les voitures à zéro au compteur, vous roulez, vous avez peur qu'on cogne. Roulez, non, on sait comment. Ah. Moi, c'est la vieille voiture, le volant est APC. Ils ont mis ça sur Facebook pour se moquer de moi, croyant qu'elle veut me débarrasser de ma voiture. Mouf. Je l'adore, cette petite voiture. Je l'adore. Voilà. Je l'adore. Voilà. Elle est tout terrain. Quand le carburant vient beaucoup, moi, je suis tout correct. Quand ils augmentent le carburant, moi, je suis correct. Voiture indolée. Je l'adore. Ils ont dit qu'elle a les volants pesés. Elle est au Canada. Elle a les... Mouf. Je ne colle pas. Laisse ça comme ça. Vous allez faire quoi? Mouf. Parlez ça loin. Une grillée de chez grillage. C'est vous qui avez fait su devenir moins grillé comme ça. C'est vous. C'est vous. Vous avez fait su devenir grillé. Je décide de venir bien grillé. C'est vous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Viens parler à la fille du chef, maman. Oh. Ne parle à la fille du chef. C'est arrivé. Allez, me parquer. Si on retourne à l'auto-école, c'est deux, un tour. Fini, garé. Fini. Vous voulez quoi? Je retourne à l'école, c'est Ndolé. Un tout. C'est un truc qui est bien paquet de voix alignées. Bon. Je ne peux pas voir les commentaires. C'est la maman. La maman. La plus bio de sa génération. Celle qui tétanisa. Celle qui recadra. Qui dressa les pattes, les maigres pattes, les cheveux en croûte. Je me vois d'angoy. Oui. Celle qui mettra toute une team. Ça dit qu'au pas, sont dépassés. C'est moi. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça. Vous en faites. Je vous dis que moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Quand je dis ça, ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Attendez, je prends une gorgée de thé. J'ai rien mis dans mon ventre quand je faisais le sandwich de ma fille. Là. J'ai dit qu'elle ne met rien. Souvent le matin, je fais, bon, l'autre fois c'était la tourtière que je lui faisais pour son lunch, elle aime beaucoup ça.
Mais j'ai mis beaucoup, puis j'ai pris une bouchée. Maman, je suis arrivée, j'avais le fan qui tournait. J'ai dit, c'est quoi ça? Il ne faut pas changer ses habitudes alimentaires. Il faut toujours faire la même chose que tu fais chaque matin. Ton corps, il ne faut pas surprendre ton corps, je vous le dis. Ça m'a fait un genre. Attendez, je garde le ticket si j'ai le temps. Regardez le ticket du loto. Si j'avais joué au loto, je joue au loto hein, chaque semaine. On ne sait jamais. Tu gagnes là, ouf. Tu arrêtes le travail. Tu lances que les petits business. Tu continues que ta vie. Là, mon cerveau doit toujours faire les choses. Donc, on ne peut pas m'arrêter. Mais tu arrêtes le travail de... C'est un ticket de loto que je n'ai pas vérifié. J'ai trouvé ça dans un sac. Faut que je... Peut-être qu'on me cherche que j'ai gagné. Ça fait longtemps que j'avais joué ça. On me cherche peut-être pour dire que bah, c'est la femme qui a gagné. Elle est où? Dès qu'elle va passer, on dit, mais madame, c'est toi. Oui, que c'est que vous priez pour qu'elle ne gagne pas les mouches là. Il faut que ça... Pour eux, elle doit être au cimetière. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu avant de me faire du mal. Vous avez tout, vous avez tant fait. Ça vous rate. Je vous ai traité. Vous ne pouvez jamais m'oublier. J'ai dit jamais. Les mouches là. Toute votre vie sur Facebook, vous allez vous souvenir de moi. Et continuez les caricatures, n'arrêtez pas. Je ne vois rien. Ceux qui même m'informent, je dis que ça va perdre là-bas. Vos directs, vos machines, je ne suis pas dedans. Je ne vois rien. Rien, imaginez. Tu t'adresses à quelqu'un, ne suis même pas ce que tu dis. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Je sais pas où est ma crème de main. On dirait que j'ai changé de sac à main. J'ai mis ça dans un autre sac. J'ai ma crème mérite, là. Je sais pas. Je sais pas où je l'ai mise. Des fois, j'ai les mains sèches là, avec l'hiver. Là. Mais j'ai de belles mains, mine de rien. De belles mains. J'ai un beau temps. De belles mains. La seule femme qui met pas le fond de teint. Elle va même au grand gala de je sais pas quoi là. Elle ne met pas le fond de teint. Mais c'était tout rouge à lèvres, ses lunettes, puis elle est correcte. J'ai un beau temps. Dieu a pensé à tout à l'avance. Voilà. Alors je vous aime. C'est la maman de l'heure juste. Je continue à travailler pour trouver des petits trucs et des astuces pour vous. Ceux qui devaient commencer le challenge cette semaine, malheureusement, je n'ai pas commencé parce que mon chéri a une semaine de vacances. Alors quand je rentre, lui et moi, on a beaucoup de choses à faire pour nous. Donc quand je rentre un peu tôt, je le trouve et puis on fait nos choses. Donc je ne vois pas que je dois... Donc on a des trucs, on jase, on passe du bon temps. Voilà. Donc je n'ai pas... Je voulais faire des challenges à 16h, mais je n'ai pas fait cette semaine. La semaine prochaine, je commence parce que sa semaine, c'était une semaine de vacances qu'il avait. Donc j'en profite voilà, pour avoir du bon temps avec lui quand je rentre. Donc c'est pour ça que vraiment, je suis désolée. Je me suis dit non, la vie, la famille, ça passe avant tout. Hein. Donc on peut bien vouloir faire des choses... Pour aussi, du moins, pour sa santé ou pourquoi, et pour aussi mettre ses abonnés bien. Mais le socle familial, c'est la priorité en tout. En tout, je vous dis en tout. Alors, c'était la maman de l'heure juste. Ceux qui ne sont pas contents de mes sorties, ceux qui ne veulent pas me voir sur les réseaux, vous vous désabonnez. Ou vous me faites signe, je vous bloque. Juste un message, un genre, je bloque. Voilà. Bisous, bisous. Alors, je vais voir, mais aujourd'hui, je n'ai pas un temps creux pour faire un direct. Malheureusement, je sais pas vraiment, je suis très occupée ces temps-ci. C'est ça. C'est que le soir, non, pas possible, parce que je suis avec mon chéri. Je profite. Il faut profiter de la famille, c'est très important. Voilà. Et vous vous jasez, vous parlez, vous priez à ma chute et Dieu m'élève. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que si je suis à la place de Lolo, je ne me plains pas. C'est parce qu'il y a une élévation terrible qui est en train d'arriver. Quand vous asseyez sur moi, Dieu fait son travail. Fais-le. Comprenez, non? Je prends une gomme. Je prends une gomme. Ça creuse, mais c'est pas grave. Ça creuse. Les gommes, là. Tu mets dans ma bouche et puis voilà. Ça creuse. Moi, je bois souvent 2 tasses de thé avant de prendre un snack, une collation ou manger à midi. Quand je mange tôt, mon ventre, ça me dérange. Mm-hmm. Alors, bisous. Hein. Je n'ai pas vu vos commentaires, je suis désolée. Parce que, comme je vous dis, depuis un certain temps, pas Zuckerberg, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait avec mes commentaires. Ou j'ai touché quelque chose. J'ai dû toucher quelque chose. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne journée. C'est moi.
avec mes poches, les poches bien pochées là, regardez. Je n'ai pas fait de maquillage, hein. Regardez, les poches bien pochées. J'ai mes poches. Regardez, mes poches bien pochées. C'est moi, capturé. Kodakam, je capture, tu mets partout. Rien ne me fait, je ne fais aucune chirurgie de rien sur mon corps. Ça reste intact. À 51 ans, on ne court plus. C'est aucun. On s'avoue pleinement la vie. Chaque moment est important. Vous avez compris, non? Voilà. Bisous.